J'imagine qu'après 2 ans de pandémie comme ça, où les artistes ont été un peu mis à mal, il y avait une impatience à retrouver ce public. Ah ouais, c'est assez incroyable. Et puis, du coup, et c'est une initiative de Cadmerade, parfois, y a un échange avec le public qui se fait, il parle, quoi. Ce qui ne se fait pas au théâtre en général, on salue puis on s'en va. Et là, y a souvent quelques. Voilà, bon, c'est jamais la même chose, mais voilà, y a souvent un petit échange avec le. Et vraiment, ouais, on sent que c'est un truc qu'on n'avait plus et que c'est. En plus, là, depuis aujourd'hui ou hier, des gens. Enfin, là, nous, en Suisse, les gens n'ont plus de masque depuis une semaine, mais les gens vont plus avoir de masque dans les salles, ce qui va aussi changer le rapport, quoi, au spectacle et aux spectateurs, parce que même si on ne voit pas, on sent parfois la présence des masques quand on est face publique. Donc, tout ça, c'est assez incroyable. C'est très joyeux et puis voilà, c'est joyeux de faire ce métier voilà, avec ce qu'on vit en ce moment. On sort du Covid pour passer dans une guerre qui est terriblement angoissante et anxiogène. Il y a énormément de pression des médias qui s'ajoute à ça. On sent que cette année, ça fait presque 2 mois qu'on est en tournée, ça fait 2 mois qu'il y a une envie et qu'il y a vraiment voilà, une envie d'aller ailleurs, de souffler, de penser à autre chose, de tourner la page, de rire. J'entends même que le cinéma, maintenant, ça va beaucoup mieux, que les gens sortent plus. Voilà, espérons que ça va continuer. Alors pour en revenir à la pièce, vous avez deux partenaires de choix, Cadmerade, Claudia Tagbo. Un petit mot sur ces partenaires et puis sur Cadmerade qui a un rôle particulier puisque c'est le metteur en scène de la pièce aussi. Ouais, mais alors il a pris le truc très à cœur. Il avait déjà fait de la mise en scène au cinéma et puis il avait déjà joué au théâtre, donc il sait comment ça marche. Ça a été très simple. Et puis on a vraiment travaillé tous les trois. D'abord, on a travaillé sur le texte parce que la pièce était beaucoup plus longue au départ. Donc, avec l'accord des auteurs, on a fait quelques coupes pour que ce soit, pour que ça, vraiment que ça garde du dynamisme. Et puis, on s'est très bien. Bon, ça fait 2 ans maintenant qu'on est sur ce spectacle, puisqu'on l'a créé juste avant le premier confinement. Voilà, on a vraiment un investissement en commun tous les trois. C'est un truc qui nous tient vraiment à cœur. Dès qu'on a eu la possibilité de le reprendre, on était sur le plateau. Deux, trois fois, ça ne s'est pas fait. Là, il y a eu cette tournée qui était prévue depuis longtemps. On disait, on espère qu'ils ne vont pas fermer et que ça va aller. Et voilà, c'est vraiment des gens, ça se passe super bien, on est très très heureux. On peut être dans une routine au théâtre, ça peut arriver, mais là, chaque fois, dès que le rideau se lève, voilà, on est parti pour 1 heure et demie, on sait qu'on va prendre énormément de plaisir et en plus, vraiment, voilà, le public nous porte. Vraiment, une porte et nous donne à nous énormément de plaisir parce qu'il prend du plaisir. Voilà, on rigole bien, on s'entend super bien, on est très complémentaires. Alors, vous êtes au théâtre, mais vous faites aussi du cinéma, beaucoup, de la télévision. Est-ce que pour vous, tout ça, c'est complémentaire, ça fait partie de votre équilibre, ou est-ce qu'il y a un des médiums que vous préférez? Eh bien, vous avez tout dit en fait. Ça fait partie de mon équilibre. C'est-à-dire que j'ai la chance vraiment d'avoir pu travailler au cinéma. Au début, moi, je ne pensais pas faire du cinéma. C'est-à-dire, je disais, ce n'est pas pour moi. Voilà, je ne venais pas de ce milieu. J'ai fait une école de théâtre et j'ai commencé à faire du théâtre avec mes copains, les copains du cours dans lequel j'étais. Et j'imaginais que ma carrière, ce serait voilà, en troupe ou après essayer d'aller d'une troupe à l'autre.